Bon matin tout le monde, bon matin, comment vous allez ce matin? Alors qu'on prend la place, comme c'est notre habitude, est-ce qu'on peut dire gloire, gloire à Jésus? Ouais. Merci d'être là, particulièrement si euh, vous êtes euh, invités parce que vous connaissez des gens ce matin qui se font baptiser. Vous êtes nos invités d'honneur. Merci d'être là, c'est un moment vraiment important et euh, c'est une belle célébration. Mais tout d'abord, avant d'aller à la parole de, Dieu, de la, de la parole de Dieu, je vais y arriver. Je vais y arriver. Euh, on vous rappelle qu'on a un événement super important la semaine prochaine, en après-midi. On a notre AGA des membres du portail. Donc, c'est l'assemblée générale, euh, annuelle. Donc, des membres du portail. C'est-à-dire, c'est une occasion, c'est à 15 heures. C'est une occasion de communiquer de l'information privilégiée. Euh, on présente les bilans financiers. C'est une occasion de pouvoir poser des questions. Et on va procéder à l'élection de deux diacres, diaconesses. Donc, tous les membres du portail, on vous convie la semaine prochaine à 3 heures. Parce qu'on pense que les affaires de l'Église, c'est aussi spirituel. Parce qu'on croit que tout a toujours rapport avec Jésus. Donc, on continue notre prédication sur l'épître aux Romains un petit peu plus court ce matin, Dieu voulant par la foi. Et le titre de la série, c'est Sola fide, qui veut dire par la foi seule. C'est-à-dire que la Bible enseigne qu'on est sauvé par notre foi seule en Jésus. Ça veut dire que tu ne peux rien ajouter, tu ne dois rien ajouter. Tes œuvres, ta religion, ta moralité, le fait que tu penses que tu es une bonne personne n'ajoute rien à ton statut devant Dieu. La vie éternelle, le pardon, la nouvelle identité en Jésus, on la reçoit simplement par la foi et ceux qui le croient disent Amen. Amen. Et c'est non seulement, c'est non seulement inapproprié de croire que par tes œuvres tu peux gagner ton ciel, mais, mais c'est insultant même pour Dieu de penser que Parce que tu fais des choses, euh, de bonnes choses, que tu vas avoir des bons points dans ton cahier spirituel. Euh, c'est comme, imagine. Imagine que tu es en train de te noyer, tu es à la plage, vous vous rappelez autrefois l'été, okay, tu es à la plage, et tu es en train de te noyer, y a une vague qui t'amène vers le large, puis y a un jeune homme qui vient, qui nage, qui, qui, qui te ramène, qui veut te ramener, mais là, il y, y a des vagues, il y a des vagues, c'est difficile. Et il réussit à te pousser vers le bord, mais lui, il est pris dans une vague et va se noyer. Maintenant, imagine que tu vas au salon funéraire, lors des funérailles, pour euh, offrir tes sympathies à la famille, et tu vas voir le père, puis tu lui dis, je suis tellement reconnaissant de ce que votre fils a fait pour moi. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais dans mon portefeuille, j'ai 20 dollars. C'est insultant. Pourquoi? Parce que tu mets un prix sur quelque chose qui n'a pas de valeur. C'est que tu entres dans une dynamique de transaction. Et de penser que tu peux avoir la faveur de Dieu par tes bonnes œuvres, c'est insultant pour Dieu parce que tu mets un prix sur la valeur de Jésus qui est mort à la croix. Le christianisme, c'est pas une transaction entre le croyant et Dieu, c'est la grâce, c'est le cadeau immérité que Dieu te donne en Jésus. Donc, ce matin, on va avoir des baptêmes, mais c'est important de se rappeler que, alors qu'on va avoir une quarantaine de baptisés, euh, que le baptême ne sauve pas. Le baptême ne pardonne pas, le baptême ne bénit pas, le baptême ne protège pas, le baptême ne change pas. Tu te dis mais pourquoi qu'on se fait baptiser dans ce cas-là Parce que c'est un témoignage extérieur de ce que Jésus a fait dans nos cœurs. Alors qu'on est sous l'eau et qu'on revient, c'est le symbole que nous étions morts dans nos péchés, mais que par notre foi en Jésus nous sommes ramenés à la vie, nous avons une nouvelle vie, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Je l'ai déjà dit, c'est comme ta poche de thé. Quand tu mets ta poche de thé dans l'eau, Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est l'eau qui donne la saveur à la poche de thé? Non, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la poche de thé. Nos baptisés, c'est des poches. C'est-à-dire, la valeur du baptême n'est pas dans l'eau, mais dans leur foi intérieure en Jésus. Amen. Il dit à quelqu'un à côté toi: Toi aussi, tu es un poche ou tu es une poche. Maintenant, si tu me visites ce matin, peut-être que tu te poses la question, mais. Comment c'est pertinent au Québec en 2023 de déclarer notre foi dans un Messie qui a vécu en Israël il y a 2000 ans? Ce Jésus qui est mort à la croix il y a 2000 ans, c'est quoi la pertinence aujourd'hui de prêcher encore son message? Vous savez, il y a des vieilles affaires qu'on ne doit pas changer parce qu'elles sont authentiques. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du studio Abbey Road? Donc, un studio, probablement le studio le plus mythique, le plus connu à travers le monde. Les Beatles ont fait beaucoup de leurs albums là-bas, mais je pense la majorité, sinon la totalité. Je ne suis pas un spécialiste. Et c'est un studio encore aujourd'hui où des gens vont à ce studio pour enregistrer parce qu'il y a vraiment un son particulier. Et j'ai écouté un chanteur qui a, qui a enregistré son dernier album là-bas. Il disait, ce qui est assez particulier, c'est que tu arrives là-bas, rien n'a changé depuis 60, 60 ans, 70 ans. C'est-à-dire le mobilier est exactement à la même place. Euh, on ne va même pas repeinturer. Pourquoi? Parce qu'on veut garder l'authenticité du son. Le son est tellement parfait qu'on ne veut pas changer la moindre chose qui pourrait altérer le son. L'œuvre de Jésus, elle est tellement parfaite qu'on ne veut pas faire la moindre chose qui va altérer son œuvre dans nos vies. Jésus le seul sauveur, il est seigneur, il pardonne, le seul médiateur en Dieu et les hommes. Et 2000 ans plus tard, c'est encore vrai aujourd'hui au Québec en 2023. Alléluia. Maintenant. Le message de Jésus scandalise. Et ce matin, tout le monde va être scandalisé. Donc, dis à quelqu'un à côté de toi, tu vas être offensé ce matin. Parce que Jésus bénit et offense. C'est-à-dire y a des gens, peut-être tu nous visites ce matin, et tu vas entendre ce qu'on appelle, ce que la Bible appelle le scandale de la croix. C'est-à-dire que nous sommes tous pécheurs. Un jour, on va se présenter devant Dieu, on va avoir un jugement dernier. Il y a deux destinations, l'enfer ou le paradis. Et la seule manière d'aller au paradis, c'est par ta foi en Jésus qui est mort à ta place, lui qui était sans péché. Et la seule manière d'être réconcilié avec Dieu, c'est par Jésus seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est scandalisant pour notre culture. Puis il y en a d'autres peut-être que tu te considères chrétien. Et vous savez, dans la Bible, il y a deux scandales. Il y a le scandale de la croix et le scandale de la grâce. Jésus va donner une parabole à un moment donné. Il va dire qu'il y a des gens qui travaillent, des ouvriers qui travaillent toute la journée. Puis le maître leur donne un salaire. Et à la fin de la journée, à la dernière heure, il va, il va embaucher des ouvriers. Puis à la fin de la journée, il va leur donner le même salaire qu'à ceux qui ont travaillé toute la journée. Et ceux qui ont travaillé toute la journée vont s'offusquer en disant « Mais, mais ce n'est pas juste. » Et le maître va dire « Oui, mais on sait qu'on est convenu. Puis ce que vous avez, c'est votre part. Est-ce que tu vois d'un mauvais oeil que je sois bon? Tu peux suivre Jésus pendant 50 ans. Quelqu'un ce matin met sa foi en Jésus et devant Dieu, tu as le même statut que la personne qui sort depuis 50 ans. C'est encore une fois le scandale de la grâce. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. Donc ce matin, il y a deux choses que je veux dire. Je veux dire que personne ne peut être sauvé par lui-même. Et pourquoi plusieurs personnes croient que la majorité peut être sauvée? Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. On continue dans Romains chapitre 3. Et un texte qui peut être décourageant, mais l'apôtre Paul, à la fin du chapitre 3, veut démontrer comment l'être humain sans Jésus est désespéré. Pourquoi? Pour nous amener à la bonne nouvelle, qu'on va voir dès la semaine prochaine. Donc, Romains 3, le verset 9 à 20. Et qui peut répondre à une question est-ce que c'est la minorité ou la majorité qui sera sauvée? Voici ce que dit la parole de Dieu. Donc, si tu nous visites ce matin, je te le dis, ce texte-là est très brut sur l'état de l'être humain. Qui a désespérément besoin d'un sauveur. Pourquoi? Voici ce que dit la parole de Dieu. Quoi donc? Sommes-nous supérieurs? Après avoir dit que ta religion ne sauve pas, que ta moralité ne te sauve pas, qu'il n'y a rien qui te sauve, maintenant il s'adresse à des chrétiens qui sont là, qui disent ben, Nous autres, on n'est pas supérieurs. Hey, tu pas supérieur. Hein, tu peux dire à quelqu'un à côté de toi Tu n'es pas supérieur. Puis tu peux lui répondre Mais toi aussi, tu n'es pas supérieur. Sommes-nous supérieurs? Absolument pas. Moi, le premier. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, donc l'ensemble de l'humanité, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit. Et là, l'apôtre Paul va citer cinq versets de la parole de Dieu. Il y a comme un, un chapelet, un collier de versets pour démontrer comment nous sommes désespérés. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Tu dis, oui, moi, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils usent de tromper avec leur langue, ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction, d'amertume, on parle de manété ici. Ils ont le pied léger pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons, ce que, ce, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi ou les œuvres de la religion, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. La parole de Dieu déclare que tous sont sous le, sont sous le péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 100% des gens qui marchent sur cette terre, la Bible dit que nous avons une nature pécheresse. C'est-à-dire que notre problème, ce n'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. Fondamentalement, il y a quelque chose d'anti-dieu dans notre cœur. Et la Bible dit que, fondamentalement, par nature, tu ne cherches pas Dieu, tu ne veux pas Dieu. Puis quand tu veux Dieu, puis quand tu fais des promesses à Dieu, c'est pour avoir quelque chose en retour. Et souvent, quand on veut Dieu, c'est pour les bienfaits que ça peut nous amener. Et la Bible dit que ton problème, c'est ta nature. Par exemple, dans le règne animal, tu as des herbivores et des carnivores. C'est quoi la différence? Exactement. Exactement. Les herbivores ont une nature qui font que leur appétit est pour tout ce qui est les, ce qui est les herbes. Un carnivore, son appétit, c'est pour la viande. Prends, moi j'ai un petit lièvre qui se promène sur mon terrain, tu peux lui mettre un filet mignon, il va lever le nez. Donne-lui du gazon, quel festin. Maintenant, prends ton chien, donne-lui du gazon, il ne va rien vouloir savoir. Donne-lui donne le steak, hallelujah. Merci Seigneur pour la bonne nourriture. Pourquoi? Parce que ton appétit est en fonction de ta nature. La Bible dit que notre nature pécheresse ne nous donne pas un appétit pour Dieu. C'est pourquoi Dieu doit intervenir dans nos vies, sinon on ne veut rien savoir de Dieu. Ça, c'est le problème. Et la Bible appelle ça, en théologie, on parle de l'universalité du péché. Regarde. Ça dit il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Regarde à côté de toi, là. Tu peux regarder quelqu'un faire Amen. Ça à dire nul l'intelligence spirituelle. Ça veut dire que nos, nos pensées sont, sont confuses. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'y en a pas aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Wow! Et là, il y a des gens, tu nous visites ce matin et tu dis Je ne suis pas si pire que ça. Ils hein, vont réagir Ouais, oh, 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 je ne suis pas si pire que ça. Selon quel standard? OK. Imagine que je te dis qu'à ton insu, il y a une application qui a, été, qui a été téléchargée sur ton téléphone qui a permis de t'enregistrer en audio et en vidéo dans la dernière semaine. Et maintenant, on va présenter les dix moments dont tu es le moins fier. On commence avec vous là-bas. Germaine. Personne ici ne serait confiant. Personne ne serait confiant. Personne ne serait confiant. Avez-vous remarqué que dans les télé-réalités, les gens ne paraissent jamais bien? Tu ne sors jamais d'une de tes réalités où les gens disent oh, « Wow, ta réputation a t augmenté, t'as l'air plus brillant. » Non. Pourquoi? Parce que c'est la réalité. C'est ce que tu es Et la Bible dit que nous sommes tous pécheurs. En théologie, on appelle ça la dépravation totale. Ça ne veut pas dire que nous sommes tout ce qui est en nous profondément, qu'il n'y rien de bon. Ça veut juste dire que le péché affecte toutes les sphères de nos vies. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable d'aimer, tu n'es pas capable de faire des bonnes choses. Ça veut juste dire que le péché contamine tout, la dépravation totale, ce n'est pas en degré, c'est en étendue. Puis le texte dit, ça affecte tes pensées, tes émotions, tes actions, tes paroles, ta volonté. OK. La semaine passée, ma femme dit, ⁇ Ah, il faut que tu aies acheté du brocoli. Je m'en vais acheter du brocoli. Je prends le brocoli. Je cherche le petit sac pour mettre le brocoli. Ils ont enlevé les petits sacs, puis ne me l'ont pas dit. ⁇ J'ai le brocoli. J'ai pas de sac. ⁇ Là je dois acheter des trucs. Puis là je regarde le panier. Là je me dis arc. Là ça a l'air simple mais là je fais quoi avec le brocoli J'ai pas de sac. Là est-ce que je le mets dans le panier Non. Fait que, finalement je fais l'épicerie avec un, le brocoli comme ça. Il y a déjà qui rit mais c'est exactement la même chose. Là j'arrive à la caisse. Là je viens pour le mettre Oh, papa! Je vais mettre ça dans ma bouche après. Et là la caissière comme elle me voit puis elle veut le prendre c'est comme vous. Depuis tantôt, je la vois, elle touche son téléphone, elle touche ça. Son... Non, comme. Et là, j'arrive, puis il donne plus de sac non plus. Et là, je me promène, je sors avec mon brocoli, j'arrive dans la voiture. L'autre dilemme, tu le mets où le brocoli dans la voiture? Conduit avec le brocoli. Quel cauchemar! Pourquoi il y a des microbes partout? C'est ce que la Bible dit, il y a du péché partout. C'est pourquoi on a besoin de Jésus? Et la Bible parle non seulement ici de la totalité du péché, mais de l'intériorité du péché. On le voit un petit peu plus loin, ça parle de la parole, ça dit le problème, ce n'est pas la parole, ce n'est pas tes paroles, c'est ta bouche. Non, le problème, ce n'est pas ta bouche, c'est tes lèvres. Le problème, ce n'est pas tes lèvres, c'est la langue. Le problème, ce n'est pas ta langue, c'est le gossier. On recule. La Bible nous enseigne que la cause de tes problèmes, c'est le péché. Notre problème, c'est qu'on traite les symptômes. Quelques années, à un moment donné, mon père m'appelle et me dit J'ai un accident de travail, j'ai fait, je me suis évanoui. Puis, euh, je suis en arrêt de travail pour trois semaines, puis je dois faire de la physio. Okay? Fait je décide d'aller voir mon père un dimanche après l'église, je parle avec lui, puis il je le trouve un peu confus. Puis, je dis, OK, papa, je dis, c'est quand on rendez-vous avec le médecin Il dit, Ah, j'ai un rendez-vous mardi, je, je vais y aller avec toi. Fait qu'on arrive chez le médecin, puis là, le médecin examine mon père, puis il dit, OK, monsieur Brassard, je, encore, je vais vous prescrire une autre deux semaines d'arrêt de travail, puis on va continuer de vous envoyer de faire de la physio. Moi, je dis, ben, doc, euh, j'ai l'impression que ce n'est pas la cause, la cause n'est pas physique, j'ai l'impression que la cause est neurologique. Et là, le médecin me retourne de bord. Parce que, monsieur, vous connaissez pas ça, moi j'ai un doctorat en médecine, je sais que vous inquiétez pour vos parents. on le voit beaucoup, là, les gens s'inquiètent de leurs parents qui vieillissent, mais laissez-moi faire mon travail. Là, moi, je veux rester poli. Là, je dis, mais c'est parce que je le connais, mon père. Puis je vous dis, je ne suis pas médecin, mais la physiose, la cause, elle n'est pas physique. Et là, je dis, moi, je vous demanderais de, de faire des tests approfondis. Et là, on, on s'abstine un peu. Il dit Ok, je peux lui donner des, un rendez-vous dans un mois. Je dis, Vous ne comprenez pas, là. C'est un rendez-vous là, là. J'ai besoin d'un rendez-vous là. Finalement, le médecin décide de me donner le rendez-vous Tout ça. On m'appelle cancer du cerveau. La physio ne guérit pas un cancer du cerveau. On est dans un monde où les symptômes sont apparents, dans ta vie. Tu as des problèmes, tu te concentres sur les symptômes, alors que Jésus est venu régler la cause de ton problème qui est à l'intérieur, qui est ton cœur. Donc, la Bible parle, oui, de l'intériorité du péché et de la spiritualité du péché, parce que ultimement, tout te ramène à Dieu, parce que si, si quelque part il y a un Dieu créateur qui nous a créés, on est redevable à lui. Et je dis si, évidemment, une figure rhétorique. La Bible dit, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Notre problème c'est qu'on a rejeté Dieu. C'est pourquoi John Piper a donné une définition du péché. Tu vois le péché, on pense c'est juste des choses qu'on fait ou des mauvaises paroles, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Voici ce que dit Piper. Qu'est-ce que le péché Le péché, c'est la gloire de Dieu qui n'est pas honorée dans ma vie. C'est la sainteté de Dieu qui n'est pas révérée dans ma vie. Le péché, c'est la grandeur de Dieu qui n'est pas célébrée dans ma vie. C'est la puissance de Dieu qui n'est pas louée. C'est la vérité de Dieu qui n'est pas cherchée. C'est la sagesse de Dieu qui n'est pas estimée. C'est la beauté de Dieu qui n'est pas admirée. C'est la bonté de Dieu qui n'est pas savourée dans ma vie. C'est la fidélité de Dieu qui n'est pas exaltée. C'est la parole de Dieu qui n'est pas pratiquée. C'est la justice de Dieu qui n'est pas respectée. C'est la colère de Dieu qui n'est pas redoutée. C'est la grâce de Dieu qui n'est pas appréciée. C'est la présence de Dieu qui n'est pas prisée. C'est la personne de Dieu qui n'est pas aimée. C'est ça le péché. Et c'est pourquoi la Bible dit... Tous, nous sommes coupables. 100 moi le premier, nous sommes coupables devant Dieu. Et nous avons besoin d'un sauveur. Il y a un cas, il y a un cas en psychologie, puis un cas au niveau légal qui, qui, qui a fait école en 1993. Il y a un homme, OK, c'est vrai, là, ce que je vous dis, là, vous n'allez pas me croire, mais c'est vrai. Il y a un homme qui a fait hold-up, mais lui avait entendu que, vous savez, lorsqu'on était petit on faisait des messages secrets codés avec du, du jus de citron, puis après ça, on le faisait chauffer, puis ça paraissait, est-ce qu'il y a des gens, vous avez fait ça non, OK. Personne n'écoutait les débrouillards ici. Bon. C'est un autre sujet. OK, bon. Il avait entendu que si on, on, on se bête de jus de citron, qu'on était indé indétectable de, fa face aux caméras et face aux photos. Donc, ce qu'il a fait, il s'est bête jeûné de visage avec du jus de citron et il a été fait un hold-up. vrai que Tu feras tes recherches. C'est vrai. Une heure après, la police elle arrive à la maison. Il ouvre la porte, il voit les policiers. On dit, monsieur, on vient vous arrêter pour un le Tu sais, c'est quoi sa réponse? Ben non, c'est pas possible! J'avais du jus de citron en face! <laughs> Et c'est devenu un cas psychologique. tu as dit comment les gens peuvent se convaincre de quelque chose de totalement absurde? Et à force d'oublier Dieu, on oublie qu'on va avoir à rendre compte à Dieu. Puis souvent, le pire, c'est que les religions pensent que parce que je fais des bonnes œuvres, parce que je me fais baptiser au char à l'église, ou parce que j'ai donné quelque part, ou je me suis fait baptiser quand j'étais bébé, que finalement, là, ça, ça va impressionner Dieu. Hein? C'est comme si on t'amène devant un juge, puis le juge te condamne pour vol à deux ans de prison, puis tu dis, ben non, voyons, donc avant d'arriver, j'ai lavé votre voiture, votre honneur. On va dire, mais c'est quoi le rapport? Le petit bien que tu fais n'annule pas ton péché. Et c'est pourquoi la seule chose que tu as besoin, as-tu un avocat? La Bible dit que le chrétien, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Alléluia! Puis, lorsqu'on va se présenter devant Dieu, il dit cet enfant de Dieu, il est pardonné, il a été racheté, il a été sauvé, il a été lavé, libéré, libre. C'est la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est pourquoi ça nous amène à un autre sujet. Lorsqu'on réalise comme que par nous-mêmes, on ne peut pas être sauvé, c'est quoi l'espoir de ce monde? S'il n'y a rien de bon en nous et qu'on dépend seulement de la grâce de Dieu, est-ce que beaucoup de gens vont être sauvés ou pas beaucoup de gens? Vous savez, c'est une question que les... les, les tu vois, c'est très pertinent avec ce qu'on vit ce matin. Si personne ne peut être sauvé par lui-même, vous savez, les disciples ont dit à Jésus, « Mais qui peut être sauvé? S'il n'y a rien de bon en moi, qui peut être sauvé? Si je ne cherche pas Dieu, comment je peux être sauvé? C'est quel est l'espoir de l'humanité? » D'ailleurs, même les disciples le vont dire à un moment donné à Jésus, « Est-ce que peu de gens qui vont être sauvés? » Et j'ai lu quelque chose qui m'a renversé. Vous savez, des fois, je lis des choses qui ont fait. Tu sais que ça veut dire quoi, ça? Qui a mis mon cerveau en ébullition. Parce que ça a ébranlé une, une, une croyance que j'avais. Je J'ai lu quelque chose dans la biographie du pasteur Spurgeon qui a vécu dans les années 1800, qui a dit quelque chose. Il dit Je crois qu'il y aura plus de monde au paradis qu'en enfer. Vous faites Wow, 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 Spurgeon, là, un petit peu trop fort sur le café. Et là, j'ai continué. Il a dit si quelqu'un me demande pourquoi je pense, je réponds, parce que la Bible nous dit que Christ sera en toutes choses le premier. Et je ne peux pas concevoir comment Jésus pourrait être le premier s'il devait y avoir plus de monde sous la domination du diable que sous le règne de Jésus au paradis. Et là, j'ai commencé à creuser. Je me suis dit OK, est-ce que Spurgeon est un, est un illuminé Puis j'ai regardé dans, au niveau de la théologie, des grands théologies, et j'ai été surpris de voir que plusieurs théologiens, même de manière majoritaire, croient que le paradis va être saturé, va être rempli, puis qu'il y aura même plus de gens. Charles Hodge qui dit, nous avons des raisons de croire que le nombre de ceux qui seront finalement perdus, en comparaison du nombre total de ceux qui seront sauvés, sera très peu considérable. BP Warfield, un des grands théologiens du 19e siècle, dit, le nombre des sauvés ne sera finalement pas petit, mais grand. Et non seulement absolument, mais comparativement grand, pour parler clairement. Il embrassera la plus grande partie de la race humaine. Là, je fais Wow! OK. Je veux vous encourager en ce jour de baptême, je veux nous encourager à croire que nous avons un grand Dieu, un grand Sauveur, un grand Évangile, une grande grâce. Dieu fait de grandes choses. Faisons de grandes prières. Il peut faire encore un grand réveil. Pour ceux qui nous visitent, pardonnez-moi, je me suis excité un petit peu. Deux erreurs à éviter. Première erreur à éviter, c'est l'universalisme de croire que tout le monde va être sauvé. La Bible n'enseigne pas ça, Jésus a pas enseigné ça. Jésus a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Dieu veut sauver beaucoup de gens, mais Jésus seul sauve. Une des choses que je veux éviter en ce jour de baptême est ce que Spurgeon voulait éviter puisque les théologiens réformés, 450 ans d'histoire de théologie et d'histoire de l'Église veulent nous amener, c'est d'éviter le défaitisme. Souvent, les chrétiens ont l'impression que c'est quelque chose de marginal. Alors, on regarde au Québec et on pense que ça, c'est le royaume de Dieu. Il y a plus que ce qu'on voit ici. Est-ce que je peux entendre Amen? Et souvent, puis bon, le théologien Baby Warfield, encore une fois, a démonté tout ça. Souvent, il y a deux versets qu'on annonce qu'on avance pour croire puis, puis, qu'il n'y aura plus de gens sauvés. Alors, Jésus va dire à un moment donné, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Mais quand tu regardes le contexte, ce n'est pas un énoncé théologique, c'est la conclusion d'une parabole pour parler qu'à son époque, il y a plus de Juifs qui croyaient en lui. Peu les disciples, vont dire, mais Jésus, Jésus est-ce qu'il y a peu de gens qui vont être sauvés? Et Jésus va dire, il ne va même pas répondre. Puis il va dire, c'est un souvent, on utilise ce verset-là, puis encore une fois, il y a un contexte en disant, voici, étroit est le chemin, resserrez la porte, puis il n'y en a plus qui le trouvent. » Mais ce que Jésus dit... C'est que le salut en Jésus seul ne sera jamais populaire dans notre monde. Vous savez, ce matin, quand on calcule, dans les six derniers mois au portail, c'est au-delà de 100 personnes qui passent dans les eaux du baptême. C'est historique. C'est historique pour nous. Dans les six derniers mois, au-delà de 100 personnes qui passent dans les eaux du baptême, au Québec, dans un endroit où on est l'endroit qui est passé d'une société judéo-chrétienne avec toutes ces... Toutes ces malformations religieuses, je je défends pas, je fais pas l'apologie de cette époque-là, où on, on a rejeté, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, où on est la société, où on dit qu'on est passé le plus vite d'une société à, à, qui était judéo-chrétienne à post-chrétienne puis même anti-chrétienne. Même au Québec, il y a encore des centaines de personnes à chaque année qui viennent à Jésus, qui disent Jésus, j'ai besoin de toi. Et Jésus le dit. Jésus a dit, je donne ma vie pour beaucoup. Tu as des gens autour de toi qui ont besoin de Jésus. Ne te décourage pas, ne te désespère pas. Nous avons un Dieu qui nous traite selon la richesse de sa grâce. La Bible dit, on va le voir, de même que par un homme, par Adam, beaucoup sont devenus pécheurs. De même que par un homme, Jésus, beaucoup sont devenus justes. Et c'est le contexte du passage qui dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est non seulement vrai dans nos vies, c'est vrai dans notre monde et à la fin de l'histoire, la grâce sera plus puissante que le péché. Alléluia! C'est pourquoi, lorsqu'on a, une, dans l'Apocalypse, on a une image d'une grande foule de croyants que nul ne pouvait compter. Une foule innombrable. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, en Jésus, la descendance sera comme les étoiles dans le ciel, comme le sable de la terre. As-tu déjà essayé de compter les grains de sable de la terre? T'es une méchante gang! Et aux dernières nouvelles, la dernière fois que j'ai compté, il y avait au-delà au de 100 milliards d'étoiles. Donc, arrêtons une vision défaitiste que, non, notre Dieu sauve abondamment, il agit, il est puissant, il a une œuvre, il continue de faire son œuvre. puis Quand tu regardes la parole de Dieu, Jésus, Jésus va dire à un moment donné que l'Évangile commence avec un grain de moutarde, finalement ça devient un arbre, puis tous les oiseaux du ciel viennent trouver refuge. » Spurgeon disait que Jésus sera en tout le premier. Jésus va tout mettre sous ses pieds. Alors que tout genou fléchira et toute bouche confessera qu'il est Seigneur, je ne peux pas croire que la majorité va le faire à contre -coeur. Jésus vient tout réconcilier, le ciel et la terre. Et vous savez, quand, quand Dieu a créé la terre, ça a été quoi le premier commandement? « Multipliez-vous. » Dieu veut une terre pleine. Je crois que notre Dieu veut un paradis plein. Alléluia. Vous savez, moi, souvent, on a cette, les, les chrétiens ont cette vision un peu défaitiste, qu'on va être, oui, voir du monde au ciel, mais on va dire, hey, salut, t'es là, t'es là, t'es là. Et la Bible nous dépeint un ciel, un paradis qui déborde, qui sature à la gloire de Dieu. Alléluia. Vous savez, présentement, c'est, on est dans le vendredi fou. Je pense c'est vendredi. C'est l'endroit où tu veux pas aller au magasin, ok? Vendredi fou, puis là, on va voir des, on va voir des vidéos, des reportages. Là, il y a du monde, puis il y a du monde partout, puis ça court avec les télés. Pis... Ça, c'est rien. Le Vendredi fou, attend de voir le paradis fou. <laughs> de voir le peuple de Dieu célébrer la bénédiction en Jésus. Pis tu te dis, mais comment est-ce possible que la majorité se sauvée? Puis je ne sais pas si ça va être la majorité, mais je sais que Dieu va sauver un grand nombre. Il le fait, il continue. Et, et je vais te faire réfléchir un peu. Les démocrates nous disent que jusqu'à maintenant, sur la planète, il y a environ 100 milliards de personnes qui sont passées. Puis là, tu dis, déjà, c'est tu sais quoi 100 milliards? Bien, 100 milliards, c'est 100 milliards. 1 milliard fois 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que supposons, OK, je veux juste te faire réfléchir, ce n'est pas un énoncé. Supposons que la majorité est sauvée dans l'histoire de l'humanité. OK, mettons, c'est au-delà de 50 milliards. C'est présentement, dans notre planète, on est combien? 8 milliards? Donc, c'est 7 fois notre planète. OK? Pourquoi est-ce que, pourquoi je veux ouvrir un peu tes yeux de la foi? Mais premièrement, je veux juste te rappeler que présentement, ce que nous vivons au Québec, ce n'est pas la réalité de plein de gens à travers le monde. L'œuvre de Dieu se développe en Chine, en Afrique, en Amérique du Sud. Jésus est à l'œuvre partout dans le monde. C'est lorsqu'on pose la question aux gens c'est quoi, quoi votre religion? Il y a 2,2 milliards de personnes qui disent qu'ils se considèrent chrétiens. Je ne dis pas qu'ils sont tous sauvés. Je dis juste que les personnes, la personne qui est le plus honorée dans le monde, encore une fois, ce n'est pas Mohamed, ce n'est pas Allah, c'est Jésus-Christ. Okay? Et on dit que même depuis 100 ans, hein, les statistiques, il n'y a pas moins de chrétiens dans le monde. Il n'y en a pas moins de chrétiens comparativement à ce qu'on pense. Donc, géographiquement, historiquement, dans le passé, dans l'avenir, on ne sait pas ce que Dieu fait, mais Dieu est à l'œuvre. Et aussi, je veux juste te faire ouvrir tes, tes, tes yeux sur une réalité que notre culture méprise, mais que Dieu a un plan. Pourquoi est-ce qu'on ne baptise pas les bébés? Parce que, premièrement, on ne croit pas que le baptême sauf. Mais on croit que Dieu a un plan pour les bébés. Qu'est-ce que je faisais? Là, j'ai une consolation. Vous savez, beaucoup de gens ici, vous avez vécu ce qu'on appelle une mort, euh, une mort périnatale, une fausse couche, communément appelée. On est dans une culture où on considère les fœtus, les bébés, comme de la matière biologique. Je veux juste te rappeler qu'en tant que chrétien, on croit que dès la conception, Dieu a un plan. Psalm 139, Alors que j'étais dans le ventre de ma mère, tes yeux me voyaient. Alors que j'étais une masse informe dans le ventre de ma mère, tes yeux me voyaient. Les chrétiens, nous croyons que l'être humain n'est pas composé seulement de matière biologique, il y a un corps et une âme. L'âme n'arrive pas à la naissance, l'âme est là dès la création, dès la conception. Les statistiques nous disent qu'aujourd'hui, sur toutes les conceptions, 25 se terminent en fausse couche. Maintenant... Je veux juste dire que pour Dieu, ce n'est pas juste la matière biologique. Quand tu regardes le plan de Dieu, j'apporte un encouragement à ceux qui ont, qui ont perdu un bébé, la Bible, il y a un mot qu'on qu qu comprend mal, qu'on utilise mal, la Bible parle d'avorton dans, dans, dans la parole de Dieu. Pourquoi? Pour démontrer justement cette réalité qu'il y, qu y a des bébés, il y a des enfants, il y a des réalités où Dieu dit que l'avorton est dans le repos de Dieu. Que l'avorton se réjouit en Dieu, Job Ecclésiaste. Donc, mon point, c'est que Dieu a un plan, oui, pour. Mais Dieu, le plan de Dieu, la grâce de Dieu, s'éteint beaucoup plus large que tout ce qu'on peut penser, imaginer. Quelqu'un devrait dire Amen. Ma conviction personnelle, c'est que tous ces enfants, fausses, ce que les bébés qui, na, qui naissent à la naissance, les enfants qui décèdent, les, les, les personnes avec un handicap mental. Je crois que Jésus étend sa grâce à ces personnes. Pourquoi je m'appuie sur la richesse de la grâce de Dieu? Encore une fois, puis on croit, on prêche l'élection. Puis Jérémie dit :« Alors que j'étais avant que j'étais dans le ventre de ma mère, Dieu, tu avais un plan. » Donc, je veux juste nous encourager. Quand on regarde dans la parole de Dieu, vous savez, il y a des gens qui ne sont pas en mesure d'appliquer le remède. Qu -ce, quand as un bébé, puis ton bébé ne peut pas prendre le médicament, qu'est-ce que tu fais Tu donnes le médicament. Ma conviction, appuyée sur la parole de Dieu, qui est suivie par une multitude de théologies. C'est qu'à tous ceux qui ne sont pas capables d'appliquer la bonne nouvelle de Jésus à leur propre vie, Dieu dans sa grâce applique cette bonne nouvelle. Parce que nous avons un Dieu qui nous bénit selon la richesse de sa grâce. Mais à toi qui es ici, à toi qui es ici ce matin, étant toute une occasion, la Bible dit comment, comment recevoir le pardon de mes péchés, comment être réconcilié avec Dieu, comment avoir cette assurance de la vie éternelle. La Bible dit, repens-toi et crois. La manière de recevoir le remède de Jésus, repends-toi et crois. Réalise ton besoin, réalise que tu ne peux pas te sauver par toi-même, repends-toi et crois. Confie-toi en Jésus, cela fait des croix seulement. Et alors que les musulmans viennent me rejoindre, et alors qu'on se prépare pour la première vague de baptême, le Québec a été brûlé cette semaine par la, la, le décès de Carl Tremblay, des Cowboys fringants. Et à chaque fois que quelqu'un, une célébrité connue, célèbre, euh, décède, pardonnez-moi, euh, ce qui se produit, c'est que les gens souvent sont ébranlés parce que ça nous renvoie à notre propre mort. Et les cobayes fringants, dans, dans une de leurs chansons, vont dire quelque chose qui résume bien un peu le, 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 le désespoir de notre culture. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. De notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on se dira qu'on n'était finalement que des étoiles filantes. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. L'être humain a l'impression, et c'est vrai que nous sommes une étoile filante. On arrive, on vit 30, 40, 50, 70, 90 ans, on disparaît et on nous oublie. Et c'est intéressant qu'il y a une promesse dans la parole de Dieu, dans Daniel 12, 3, qui dit que par la foi en Jésus, dans le Messie à venir, qu'il fera de nous des étoiles qui brillent éternellement. Sans Jésus, nous ne sommes que des étoiles filantes. Avec Jésus, nous sommes des étoiles qui brillent éternellement. Alléluia. C'est la parole de Dieu pour ce matin. Donc, c'est la grâce que je vous souhaite. Qui que tu sois ce matin, confie-toi en Jésus. Et c'est le témoignage de ses frères et ses sœurs qui vont passer dans les eaux du baptême. Ils déclarent que Jésus fait de nous des étoiles qui brilleront éternellement. Donc, c'est une déclaration extérieure de leur foi intérieure.